Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment paginer un document sans numéroter les premières pages. Par exemple ici, pour commencer la numérotation, après la table des matières. Le numéro de page est presque toujours inséré dans l'entête ou le pied de page. LibreOffice présente l'avantage de regrouper tout ce qui concerne la présentation d'une page dans le style de page. La règle est simple, des pages présentées différemment utilisent des styles de page différents. Cela peut concerner le format, l'orientation, les marges, les bordures, l'arrière-plan et bien sûr l'entête et le pied de page. Pour notre exemple, les premières pages n'auront pas de pied. Les suivantes en auront un qui contiendra le numéro de page. Nous utiliserons deux styles de page. Format page permet d'éditer le style de page de la page où est le curseur. Activons le pied de page. Tabulation centrée. Puis insérons le numéro de page. Pour le moment, toutes les pages sont en style par défaut. Le numéro est présent sur chaque page. On accède rapidement à tous les styles de page par le volet latéral, style et formatage, puis style de page. Plusieurs sont prédéfinis, parmi lesquels première page qui n'active pas le pied de page. Dans l'onglet gestionnaire, nous voyons que ce style est prévu pour passer automatiquement au style de page par défaut pour les pages suivantes. Dans notre exemple, plusieurs pages se suivent qui doivent appliquer le même style. Nous demandons à rester en style première page et nous choisirons nous-mêmes à quel endroit changer de style. Cliquez dans la page, puis double-cliquez sur le nom du style pour l'appliquer. Toutes les pages sont maintenant en style première page. À l'endroit où nous voulons changer de présentation, par exemple ici, insertion, saut manuel, saut de page, et nous indiquons le style de page que nous désirons appliquer à partir de cet endroit. Cochez modifier le numéro de page, LibreOffice nous propose par défaut 1, ce qui nous convient très bien. Vérifions que les premières pages sont toujours en style de page, première page, sans pied. Et à l'endroit où nous l'avons demandé, nous avons le pied, la numérotation, et nous sommes bien en style de page par défaut. Actualisons l'index, la numérotation est bien prise en compte. L'information sur le saut de page figure dans le premier paragraphe de la page. Clic droit paragraphe, onglet enchaînement, nous retrouvons l'information du saut de page inséré, du style de page à appliquer à partir de cet endroit et le numéro de page à appliquer, numéro que nous pouvons éventuellement modifier ici.